Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau épisode de Multinoob sur Factorio. On est avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on venait normalement de réparer notre circuit de train. D'ailleurs, j'ai presque envie d'attendre là que l'autre parte, histoire de voir ce que ça donne. Au moins pour être sûr qu'ils vont pas se rentrer dedans, quoi. On n'est toujours pas en Factorio 0.18 parce que nos plateformes ne nous l'ont pas proposé. Alors je sais que vous me dites qu'il vaut peut-être le télécharger à la main et tout machin. Avec mon expérience des bêtas, je préfère attendre que le dev la considère stable pour l'utiliser. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas en 0.18, je ne crois pas. Je m'excuse. Enfin, je m'excuse, je peux pas grand chose, hein, mais on testera pas la bêta tant que le dev ne leur a pas dit que c'est plus de la bêta. Voilà. C'est aussi con que ça. La simplicité. Voilà, en plus on a une version Steam, une version GOG. Est-ce qu'elles sont synchro? Enfin, je sais pas trop, donc bon. Pour l'instant ça fonctionne, ne voilà. Tentons pas le diable. Ça ferait chier de devoir recommencer la partie sur un échec, même si je suis d'accord, Factorio, vu l'âge qu'il a, ils font un très bon taf pour que les sauvegardes soient compatibles et tout. Donc ça arrive plus trop que les sauvegardes sautent, a priori, mais voilà, hein, on n'est pas... Sait-on jamais. Mon expérience de youtubeur let's play sur des jeux early access, etc., me fait dire que on ne tente pas le diable si on peut l'éviter. Donc, vu qu'on n'a pas un bug absolument critique qui nous forcerait à passer dans des branches bêta, on ne le fait pas. Voilà. Cela étant dit, on était en train d'essayer de faire du lubrifiant pour faire des moteurs électriques, pour faire des châssis de robots volants, pour faire des robots volants, pour faire des robots logistiques, pour se rendre compte qu'il nous manquait plein de trucs et que ça ne marchait pas. Enfin, probablement, vu qu'on n'en est pas encore là. Et vu la production... Alors par contre, est-ce que, enfin, ils produisent des trucs ou... Est-ce que on a vraiment un problème de production de pétrole? J'ai l'impression qu'on a un problème de production de pétrole quand même. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils ne font plus rien nos trucs là. On a plus de plastique, on a plus de soufre. On se serait pas fait raser notre base de pétrole? Bah on l'aurait vu quand même. Non. On a plus de pétrole? Non pourtant. Rendement de pétrole. Est-ce que quelqu'un a mis le train en manuel? Ah oui, effectivement. Je sais pas qui. Encore un punk sûrement ça. Ouais. Ah mais c'est t'as laissé ton easter egg, non mais t'es sérieux. Je vais pas l'effacer, j'ai pris du temps pour le faire. Ouais mais t'avais dit que tu le mettais dans un coin de la map quoi. Bah c'est un coin de la map. Au moment où je l'ai fait, c'était un coin de la map. Dae a été très très professionnel et je crois qu'il n'a fait aucune remarque dessus mais... Je ne cautionne pas l'humour de Katox, vous le savez très bien. Moi j'ai aucun problème avec ça. Je vis bien, j'ai la conscience tranquille. C'est ça, très très bien. Putain, c'est pas possible. Allez, on est reparti. Donc il fallait qu'on amène ça à une usine de produits chimiques qui était là. Ok, donc on va l'amener un chouïa plus loin du coup, tant qu'à faire. Hop, ensuite on prend ça, 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 ça. Et ici, voilà, et on fabrique ce magnifique verre luisant, n'est-ce pas? Du lubrifiant, ça on vire du coup, on n'a plus besoin, non, celui-là on a besoin encore. Voilà, je mets un rouge parce que j'ai un rouge sous la main, voilà. Ensuite, notre lubrifiant, qu'est-ce qu'on en fout? On le met dans un réservoir peut-être. Ça me paraîtrait pas déconnant. Et après, on en aura besoin pour faire notre moteur qui se fabrique dans une machine d'assemblage rapide et qui a besoin de circuits électroniques et de moteurs. Ok, donc c'est pas ici qu'on va pouvoir faire ça par contre. Impossible de connecter les systèmes avec différents fluides. Bah, ça peut pas stocker ça le réservoir ? T'es connecté à rien là. Ok, non, il devait y avoir un mismatch quelque part, c'est pas grave. Donc on va commencer à stocker du lubrifiant pour plus tard. Et en attendant, il va falloir qu'on redescende. Alors les moteurs, le problème c'est qu'on en fabrique déjà pas assez.
Du coup, on peut pas trop se permettre d'en piocher, malheureusement. Quoique, on a réussi à rétablir un peu notre production là, visiblement, ça va un peu mieux. Ouais, mais les moteurs, c'est toujours sur la galère parce que c'est lent à créer en fait. Ouais, c'est super lent, mais là, jusqu'à très récemment, tu vois, il y avait les barres de fer, elles arrivaient au compte-goutte là sur la ligne de production. Du coup, en plus, c'était ralenti par ça, quoi. Mais là, ça a l'air de s'être réglé, donc c'est plutôt cool. La production d'acier, je veux dire. Pardon? La production d'acier. La production d'acier s'est améliorée, ouais. Je ne sais pas trop ce qui l'a bloqué, mais il doit y avoir un truc qui... Peut-être qu'on avait un train bloqué, une connerie, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être un peu mieux. Bah, je peux rajouter de la production d'acier, hein, s'il faut. Bah là, du coup, je réfléchis, on a de l'acier qui arrive là. Qui arrive ici, on a besoin pour faire les moteurs, on a besoin d'engrenages et de tuyaux. Oh putain, des tuyaux quoi. C'est quoi, je vais passer comme ça au moins tu seras tranquille. Okay. Ouais, ici il faudrait qu'on augmente cette production, mais à part refaire d'autres modules peut-être. Hop. Hop, hop, Bah, je vais lui hop. mettre un deuxième mode. Tu mets un module de quoi? De Productivité? productivité. Ça augmente sa productivité, mais ça réduit sa vitesse. Ça a rajouté une deuxième jauge. Sûr, tu veux pas juste mettre deux modules de vitesse? Bah, j'avais déjà ça sous la main en fait, donc je voulais voir un peu ce que ça donnait. Mais je vois pas trop c'est quoi la deuxième jauge par contre. Bah, à mon avis, c'est que tu as un deuxième produit qui sort à la deuxième jauge. Mais j'ai remplacé par un deuxième module de vitesse parce que ça baisse aussi la vitesse de fabrication de 15%. Ouais, bah oui, mais bah par contre, ouais, ça. Productivité Ou plus alors plus. 4%, ouais, c'est vrai que c'est Alors plus t'as de pas. productivité, plus elle construit vite. Bah, on va voir, écoute. Je propose d'en laisser au moins un comme ça pour voir. Ouais, je m'en laisse un, ouais. On peut pas faire encore des machines d'assemblage très rapides, hein, je crois pas. C'est ouf. Non, on peut pas en faire encore. On en est où de ça? Recherche. Assemblage. Ah, il faut du violet. Putain, okay. Il faut du violet, c'est mort. Ok, on a du soufre qui réarrive. Bon, c'est pas comme si on était en dèche, hein, mais. Ouais. Ici, on arrive avec ce qu'il faut pour fabriquer un peu tout ce qu'on veut. Si je voulais, il faudrait que. On évacue, ouais, les moteurs. Les moteurs, de toute façon, on n'a jamais de rab, quoi. Il y en a un de temps en temps qui arrive à aller tout en bas, mais. Ah, du coup, t'as remis un module, ouais, un module de productivité. Ouais, je l'ai. C'est vrai que je saisis pas trop ce que ça fait, mais bon. Donc là, on a les engrenages qui arrivent. Beaucoup trop d'engrenages. Ça peut servir de le garder, au moins ponctuellement. D'ailleurs, je vais les foutre dedans. Je crois que j'en ai des convoyeurs. Ouais, j'en ai quelques-uns. Voilà. Ici, on envoie ça. Je vais aussi. Fabriquer tout ce que je peux de normes de rapide comme ça. Ouais, j'avoue que on est un petit peu trop serré là. Je vois pas comment je pourrais gagner de la place. Si je remonte, c'est merdique. Là, les trucs sont pas dans le bon sens, donc du coup, ça fait chier. Ils sont tête beige, donc je peux pas vraiment en récupérer un. Enfin, faudrait que je le fasse redescendre. Sinon, je fais une nouvelle zone. On a d'autres engrenages à droite, je crois. Comment ça se passe? Ils sont largement en surproduction. Je pourrais faire des moteurs ici. Ouais, c'est un peu merdique. Honnêtement, c'est un peu merdique. Ici, on a plein d'engrenages en plus. On a des circuits électriques. Ça pourrait être pas mal de se poser là. Alors, faudra emmener des tuyaux très très loin, par contre. Mais bon,
Ça reste jouable, hein. On pourrait poser ça là. Ouais, on va poser ça là. On va faire ça. Ok, très bien. Il nous faut des machines d'assemblage. J'ai pas de quoi faire. Parce qu'il me faut des barres d'acier. Alors, je cherche des barres d'acier. Elles sont là. Les barres d'acier. Voilà. Une. C'est pas assez une. Il va falloir au moins deux. Si je veux faire un qui fait des moteurs et un l'autre d'autres trucs. Voilà. Ouais, ici ça devrait être un emplacement pour des potions aussi, hein, cela dit. Non. Mais bon, vu qu'on a une grosse production d'un peu tout ce qu'on a besoin, on va quand même se placer là, je pense. Alors, une machine d'assemblage dans le coin. Ici, il va falloir qu'on évacue. J'ai plus de trucs souterrains, vous êtes sérieux? Bordel quoi. Hop, voilà. Hop là, hop, hop. Donc là on récupère ça. Ensuite, ici. Convoyeur rapide. Ah bah on peut pas parce qu'il y a un virage. Merde, ça c'est chiant par contre. Filtre, je veux uniquement des trucs verts ici et pas en haut à droite. Voilà. Parfait, vu qu'il y a aussi des bras qui arrivent ici visiblement, mais je sais pas bien ce qu'ils foutent. Ah non, ils sont lâchés par les grands bras, donc oui, c'est pas forcément utile. Voilà, bah c'est parfait ça. Hop, hop. 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 Ici, on veut des éléments de moteur standard. Ah, il va nous falloir des tuyaux aussi. Les tuyaux qui sont fabriqués comment, les tuyaux? Avec des plaques de fer. On a des plaques de fer là. Ouais. Un peu le bordel tout ça. Non, un bras je veux. C'est n'importe quoi. Alors là je fais vraiment du test, hein. C'est complètement à l'arrache. Pourquoi je peux pas faire de putain de virage là? Je peux faire un virage là ou pas? Non, parce que celui-là est dans le mauvais sens, très bien. Ok, ici on a besoin d'un bras rapide. Hop là, et d'un grand. Non, on n'a pas besoin du tout d'un grand, on a besoin de fabriquer des tuyaux ici. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'un grand. Hop, qui va fabriquer des putains de tuyaux. Voilà, parfait. Ensuite, on a besoin d'une machine d'assemblage ici, qui va se charger. Comme ça. Fabriquer des moteurs, qui a besoin de plaques de plaques d'acier. Merde, j'ai sans doute mes plaques d'acier. J'ai pas de plaques d'acier ici, ce que je fais. J'ai pas du tout de plaques d'acier ici. Oh là là, le drame. Il faut quoi pour faire des plaques d'acier? Il faut un four. C'est où? Attends. Là. Hop. Ah
Alors, si j'évacue les plaques, si je mettais les plaques d'acide de fer là, le problème c'est que j'aurais pas de moyen de les envoyer toutes là en fait. Du coup, elles se mettraient sur la rangée des. Sur la rangée des trucs. Des bras là. Et bah, ça marcherait pas, malheureusement. Ça ne marcherait pas. On va faire des petits poteaux, des poteaux électriques. Ah merde, on est relié ici. Hop là. Il nous faut donc un four. Un four électrique. J'en avais déjà sur moi, on dirait. Bah écoutez, c'est comme ça. Est-ce que du coup, oui, si j'ai besoin de ça là quand même. Oui, mais enfin, on n'a peut-être pas besoin de se faire chier comme ça. On va en poser un là. Il nous faut des bras. Faites-nous des bras, s'il vous plaît, Jo. Merci. Hop. Je l'ai mis dans le mauvais sens, c'est pas grave, on va y revenir. Hop. Hop. Donc là, il lui reste juste les engrenages. Raté. Cette conception est totalement dégueulasse. Hein. Je m'excuse complètement pour ceux qui éventuellement tomberaient sur cette série et se demanderaient ce que je branle. Mais je veux juste voir comment faire. Je veux juste faire un moteur électrique pour réussir à faire un robot. Tout connement en fait. Ici, je veux du ça. Il va donc falloir encore qu'on avance avec ça. Je pourrais même. Ouais, on va faire ça. C'est pas hyper grave si on a un peu de rab d'engrenage. Hein. Hop. Et donc il faut qu'on apporte maintenant notre super truc de. C'est quoi ça, une pompe? Ok, on s'en fout. Il faut qu'on apporte notre lubrifiant. Et là, ça va être un peu plus chiant, je vous le cache pas. Enfin, chiant, pas chiant, mais long. C'est Ma foi en parti. toi. Oui, bah oui, j'en doute pas que tu aies une foi aveugle en moi et en mes compétences Assurément. de concepteur de qualité. Du coup, je consomme mes tuyaux, fais chier. Bon, c'est pas grave, on va continuer avec les souterrains. Hop. Bon, ça fait un peu chier d'arriver ici en fait. Faudrait que je me recale. Je peux peut-être continuer de descendre en fait. Ça va jusqu'où, hein, tu vois? Non, c'est un peu tendu quand même. Faudrait qu'on soit décalé d'une case. Comme ça, on peut se faufiler par là. C'est chaud. Faisons le tour. Là. Ensuite, on revient ici. Et on se greffe là, c'est ça. Ok, alors on est sorti du bordel. Non, une caisse trop loin. Je veux qu'on se mette calé sur l'eau là, histoire de voir à peu près jusqu'où on va. Énergie nucléaire terminée. Ouh, l'énergie nucléaire, un produit inflammable, des mines, des vitesses de robots ouvriers, retraitement du combustible nucléaire, on peut pas. Nombre maximum de robots de combat, un bouclier d'énergie. Bon, pourquoi pas, faisons ça. Est-ce que si je fais. Non, ok, ça marche absolument pas. C'est pas Shift pour tu sais, poser les poteaux ou c'est Alt peut-être? Pour Ok, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Tu sais, pour poser les poteaux, les poteaux électriques pile poil à la bonne distance. Ah, moi je maintiens le clic. Ou tu maintiens un clic, oui, parce que j'ai activé un plan là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je veux mes trucs là, s'il vous plaît. J'en Merci. pose un, je le maintiens et puis. Non, oui, t'as raison, c'est ça. Faut juste maintenir. Autant pour moi. Ouais, ça c'est un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. C'est un peu le premier. Zut. Sacré bon sang, même, diraient certains. Fichtre. Fichtre, exactement. Fichtre, c'est exactement le mot. Hop, ça y est, on commence à avoir des trucs. C'est parti. Voilà. Alors du coup, maintenant, faut qu'on remplace les petits bouts qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas de tuyau droit. Bon bah ça, de toute façon, ça va probablement disparaître quand on s'y remettra, on reposera la question. Hop là. Et tu remarqueras, Zikino, que j'ai produit 5 par 5. Il l'a fait. Il y a pensé. Après près d'une trentaine d'épisodes, il l'a fait. Près Bon, d'une j'ai trentaine, réamélioré un près peu d'une la production trentaine. de pétrole. Pardon? J'ai réamélioré un peu la production de pétrole. Ah bah cool, merci. J'ai sorti 3 derricks de plus et j'ai mis des stocks là-bas en fait. Parce que je me suis rendu Ah oui, compte t'as qu'on en mis avait des... pas. Ouais, des... Je vois ce que tu veux dire. Des réservoirs au début. Alors il y a du lubrifiant ici, non, il n'y a pas de lubrifiant qui passe. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de faire un tuyau droit quelque part. Et j'ai aussi remplacé les tourelles par des lasers. Comme ça, on est tranquille. On n'a pas de pétrole lourd. Comment ça se Hop. fait? Ah putain, parce que il faut qu'on évacue le pétrole léger, sinon il fabrique plus de pétrole lourd, ce con. D'accord. Merde. Fichtre. Parce que de toute façon, même si je fous des réservoirs, il va en faire quoi? Il va remplir le réservoir, puis après il va s'arrêter. C'est naze. C'est très très naze. C'est extrêmement naze. Merde, putain, je viens de mauvais truc. Pourquoi tu veux pas m'enlever ce poteau? Voilà, enlève-moi ce poteau, merci. Est-ce que du coup je peux caler ça là? Ok. Je teste juste. Hein. Non, pas, vraiment pas ça que je voulais faire. Non mais. Sois pas con, hein, je veux juste faire un tuyau droit là. Pourquoi tu veux absolument que j'aille dans ce sens-là? Ah putain, il s'est connecté à ça. Ok, c'est merde. Boom. Je vois pas pourquoi il veut absolument que aller dans ce sens. Il veut pas sortir droit le tuyau quoi. C'est juste pour me faire chier. Vous êtes témoin. Là, Pourtant. je vais nulle part quoi. Ouais. Bon, du coup, j'imagine qu'il a envoyé son lubrifiant directement là-bas, quoi, dans la foulée. Bon, ça veut dire qu'il faudrait que je la fasse autrement, cette usine, probablement. Déjà, on va virer ça. J'ai besoin d'autant. Et là, il continue de faire chier. Hein. Là, si je fais ça, et qu'après je fais ça, non, il veut absolument le lier avec, quoi. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou.
Merde, pardon, garde ça. Bon. Tout ça a l'air de tourner comme il faut. Ouais, donc là, effectivement, il fabrique du pétrole léger, donc il va se remettre à fabriquer du pétrole lourd. Du coup, ça, ça se remet à marcher. Et là, pour l'instant, il se passe rien. Ça s'est réarrêté, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'électricité, vous êtes sérieux? On n'a pas assez d'électricité, quoi. Ah ouais, on ne produit plus assez d'électricité. Même quand les tourelles ne fonctionnent pas. Ou alors les tourelles fonctionnent, on se fait attaquer quelque part peut-être? Non, non. Non, non. Bon bah on ne fournit plus assez d'électricité, Katox, il va falloir rajouter des trucs. Bah, je peux faire une énorme chaudière. Je vérifie déjà si on n'a pas de nouveau un problème de production quelque part. Non, ça a l'air d'être bien. Donc c'est vraiment que on ne fait plus assez avec ce qu'on a. Ok, bah pas de soucis, on va s'occuper de ça. Bah oui, c'est... Là, ça a l'air d'être les tourelles du fond, quoi. Et quand je regarde la protection de la pierre, il va falloir que je remette un coin avec un peu plus de tourelles. Ouais, les tourelles, c'est un peu le drame. Donc il faut des machines à vapeur et des chaudières. Ok, c'est parti. Pompe, poste électrique, c'est pas là. Pompe côtière, non. Machine à vapeur. Hop, 2, 3, 4. C'est parti. On va rajouter deux là. Pardon ? Tu t'occupes de ça ? Bah j'en rajoute à la suite, là on a de la place encore, donc je me dis que... Ouais, sinon tu fais un tour. Hein. Un tour. Ah mais non, parce que tu fais passer toutes les tuyaux souterrains. Je fais un tour. Qu'est-ce que tu entends par un tour ? Bah vu que t'as des tuyaux qui transportent l'eau, tu peux clairement faire transporter les... Ah tu veux dire je mets des chaudières à la chaîne là ? Voilà ça. Ah oui ça suffit, il fournit assez de... Ouais, c'est une chaudière pour deux machines à vapeur. Mais une pompe, c'est genre, je sais plus combien de chaudières. Ah oui, bah je pensais rajouter deux chaudières à la suite, là, moi, tout simplement. Ah oui, oui, bah je crois que je ferai un morceau où j'en rajouterai une dizaine, je pense. Ça fera du bien. Par contre, qu'est-ce qu'on bouffe du... De l'acide, là. Parce que les cristaux d'acide, avant on en avait plein, maintenant. Non, rare. Le soufre, tu veux dire? Ouais. Ouais, c'est parce que j'en ai récupéré. Bah déjà, on a eu un gros trou parce qu'on produisait plus de pétrole. Et j'ai récupéré une des usines pour autre chose. Mmh. Pour faire du lubrifiant. Non, ça c'est des chaudières. Pourquoi j'ai fait autant de chaudières? Ça, je me suis planté, c'est pas grave. Hop, je vais récupérer un petit peu de tourelle et les replacer. Parce que c'est typiquement le genre de truc qu'on va oublier. Hop, on a mis des bras lambda, donc on va mettre des bras lambda, pas de problème. Est-ce qu'il y a moyen de faire des poteaux électriques? S'il vous plaît. Certes. Attends, quoi? Bon, ok, c'est un peu moche, mais voilà. Ça fait le temps. On est en surproduction de blocs de pierre. Ça, c'est bien. Ok, on est reparti pour produire un petit peu plus d'électricité. Cela étant dit, ce truc-là continue de fabriquer des choses, donc jusqu'ici, ça le fait. Par contre, ça suffit absolument pas pour fabriquer du lubrifiant, enfin il se vide très vite quoi. Ok, bah admettons, pourquoi pas.
C'est lesquelles des potions qu'on n'a pas encore? Les jaunes et les violettes. Y a bien du lubrifiant là-dedans. Il y a du lubrifiant un peu, il y a du lubrifiant un peu, ici il y a du lubrifiant. Les violettes, on a quasiment tout ce qu'il faut. Il reste juste à terminer la production. Et on a des moteurs. C'est beau. Et un coffre. Hop. Voilà. On a des moteurs électriques. La modernité. Je peux faire du coup un robot logistique maintenant. Ouh putain, ça prend des plombes. Allez, on va en faire un. Et on va arrêter l'épisode là, du coup. Après. Ça, on pourra dire qu'on l'a fait. Voilà, comme ça on pourra dire on a un robot. On sera fiers de nous. Il est où mon robot ? Robot logistique, donc je le fous là, c'est ça, et après qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Je lui mets des kits de réparation, pourquoi pas. Et il transporte des objets entre les coffres logistiques, donc j'imagine qu'après il faut lui poser des coffres logistiques. Coffre de stockage logistique, c'est ceux-là. Ok, donc genre j'en mets un là par exemple. Et puis après je dis, tiens, je veux aller poser ma barre de plastique. Par exemple. Et le robot il se pointe? Absolument pas, il fait rien. Filtre logistique. Ah, faut que je lui dise ce qu'il doit prendre peut-être. Ça. Non. Bon, là je crois qu'il va falloir craquer sur un tuto là. Parce que. Un épisode entier pour le découvrir. Ouais, tâtonner là-dessus, je pense que ça va être un peu la merde. Quoi qu'il en soit, j'espère du coup que cet épisode vous aura plu quand même. Bon, c'était un peu à l'arrache mon montage en bas, mais c'était histoire de pouvoir faire le truc. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des conseils sur l'utilisation du robot port. Parce qu'à mon avis, on va mettre un petit moment avant de bien le maîtriser, même avec les tutos. Et ben on se dit à très bientôt. Merci de nous avoir regardés. Salut.